Et me voici arrivé au point de rendez-vous de la balade du jour, une virée en Creuse avec Royal Enfield. Nous quittons maintenant Ambazac en direction de La Jonchère Saint-Maurice. Ici, nous sommes bien sûr dans les monts d'Ambazac et la route serpente. Alors que sur notre droite, nous avons un paysage fabuleux que nous n'allons pas tarder à découvrir. Voilà, on commence à découvrir ce superbe paysage un peu brumeux. Et voilà, on est reparti. Les nuages sont bas, mais bon, tant qu'il pleut pas, on est bien. Et les limousines nous regardent avec leur air distrait. Avant de retourner, être tranquillement dans leur prairie. Les nuages sont bas, c'est couvert, c'est chargé, mais c'est joli, ça fait une autre atmosphère que quand il y a le plein soleil. La nature est toujours aussi belle en tout cas. Alors je suis bluffé par la maniabilité de cette moto. Le poids ne se fait vraiment pas sentir, hein, 241 kg tout plein fait. Eh bien, c'est un vélo à piloter. Bel endroit ici. Et nous arrivons ici à Montaigu-le-Blanc. Nous apercevons ici au loin les ruines du château de Montaigu-le-Blanc. On en profite. C'est vraiment une agréable découverte cette moto parce que je m'attendais pas du tout à ça. Surtout quand j'ai vu le poids de la moto, je me suis dit oula, mais sur les petites routes creusoises ça va être compliqué. Ben non, c'est un vrai jouet. Voilà, nous arrivons au début de la vallée de la Creuse au niveau de Glénic. Et oui, c'est toujours sympa cette arrivée sous le viaduc de Glénic. Et nous nous dirigeons donc direction Crozon, mais avant on va faire quelques petits passages histoire de profiter des paysages que nous offre cette magnifique vallée de la Creuse qui est encore assez méconnue. Nous passons ici à Champs-Sanglard. Alors ici nous passons sur le pont du diable à Anzem, on va monter jusqu'au village pour profiter en fait du beau panorama sur la vallée de la Creuse et ce fameux pont du diable que ça nous propose. Et voilà, après avoir passé le Bourdem, eh bien nous allons vers le lieu dit Guémonté pour pique-niquer avec une très belle vue sur une boucle de la Creuse, le Guémonté. Mais bien sûr qu'elle est belle cette Creuse, regardez-moi ce paysage. Enfin, j'apprécie pleinement. J'espère que mes compagnes et compagnons de route apprécient également. Cette balade le long de la vallée de la Creuse nous emmène aussi sur les traces des impressionnistes. C'est aussi la vallée de la Creuse, la vallée dite des impressionnistes. Nous voici à la Selle Dunoise, un endroit que j'apprécie parmi tant d'autres, la Selle Dunoise. C'est beau, non? Et c'est là que nous allons faire une petite pause avec les motos.
Et oui, la pêche à la mouche. Plus qu'un sport, c'est un art. Voilà, donc on est reparti, on quitte la selle dunoise, on a pris 2-3 photos, histoire de profiter de ce bel endroit. Et nous nous dirigeons maintenant vers Crozon. Et oui, nous approchons maintenant de Crozon et du site de la roche fileuse à travers ces petites routes de campagne bosselées, mais qui conviennent parfaitement à cette super météore et à toutes les autres Royal Enfield d'ailleurs qui s'y sentent vraiment à l'aise. C'est beau la Creuse. Et voilà, nous approchons du rocher de la fileuse. Nous allons garer les motos sur le parking et on va finir à pied pour aller voir ce panorama sur la Creuse et le château de Crozon. Et voilà, donc nous quittons le rocher de la Fileuse, direction Crozon. Et ensuite, eh bien, nous allons enchaîner, après avoir passé Crozon, direction Aiguzon. Point de vue vraiment superbe sur la vallée de la Creuse et les ruines du château de Crozon. Nous sommes ici sur une route très sinueuse qui serpente au milieu des bois, à l'ombre, très agréable. Et nous sommes en approche du lac d'Aiguzon. Alors on ne va pas aller vers le lac, on va aller vers le barrage. Un beau point de vue finalement sur ce barrage et le début du lac. Et ici nous passons à Saint-Sébastien, nous sommes de nouveau en Creuse. Nous sommes à la limite entre le Limousin et le Berry. Si vous voulez mettre un pouce bleu tout de suite, n'hésitez pas, si vous voulez vous abonner aussi. Ça fait plaisir, hein, bien sûr. Mais regardez la vidéo jusqu'au bout, il y a encore plein de belles choses à voir. Et voici un débit de boisson, ma foi, fort bien situé, au bord du lac de la Chaume. Et nous repartons tranquillement. Son église. Nous sommes ici à Folle. Et voilà, maintenant on est en direction de Bersac-sur-Rivalier. Et oui, un dernier coin de nature dont on va profiter, bien sûr. Voilà, on va arriver sur notre point de vue. Et voilà donc ce panorama que l'on quitte. Et c'est ici que nous nous séparons. Tout le groupe Royal Enfield. Nous voici arrivés à Limoges. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Les pouces, les abonnements, tout ça, c'est super sympa. Les partages, bien sûr, aussi.
Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles balades moto en Limousin ou ailleurs. Salut !